Et bonsoir YouTube, comment allez-vous? Et bien, et il était pas un petit peu fort mon micro là quand même là? Un chouïa, hein. Comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui sur The Crew 2. Je vous l'avais dit, bien sûr, on est en live en ce moment même sur Twitch. Vous pouvez le voir juste au-dessus de moi, tout le monde vous fait coucou. Donc n'hésitez pas vous aussi à venir nous rejoindre. Merci d'avance pour le petit like, bien sûr, le petit abonnement sur ma chaîne YouTube. Et bien entendu, le petit commentaire si vous cherchez The Crew ainsi qu'un autre jeu. Tout se passe dans la description, direction G2A, vous-même vous connaissez. Aujourd'hui on est avec Alex. Salut Alex, comment vas-tu? Bah salut, ouais, ça va très bien, merci. Ouais, ça va Alex. Ouais. Ok, d'accord. Donc nous on est ici les mecs, on est juste ici et on va aller direction Las Vegas. Alors vous pouvez voir que The Crew quand même, je l'ai, voilà, on l'a relativement bien tartiné quand même un petit peu, hein. J'ai fait quelques courses, alors je l'ai pas fini, hein, loin de là, hein. Mais quand même, la carte est immense, immense de chez immense les mecs. Et donc là aujourd'hui on est parti direction Las Vegas. Avec Alex, tranquillement, on va se faire une petite virée, tout va bien. Et Alex, par contre, non, non, tu prends une voiture, s'il te plaît, qui a les mêmes stats que la mienne. C'est trop facile, ça. C'est trop facile, Alex. Non, non. Une voiture ou une moto, mais qui a les mêmes stats que la mienne. J'ai pour une voiture. C'est-à-dire qu'il monte pas à plus de 130. 120, 130. Non, non, ça va, je monte à 250 avec la Skyline. 250, mais quand je mets le boost, les mecs. Quand je mets le boost. Hein, sinon, il n'y a pas de 250, hein. Quand sortira la prochaine vidéo sur Euro Truck, nous dit Kiraman. C'est pas, je ne sais guère, je ne sais pas. Bientôt, bientôt, bientôt. Merci Naizek qui a retweeté le live, ça fait plaisir. Merci à vous tous qui ont retweeté d'ailleurs. Vous qui voyez cette vidéo, qui voyez le live, ça fait super plaisir. Par contre, juste les mecs, voilà. Pour vous qui regardez cette vidéo sur YouTube, bien sûr, et pour vous qui regardez le live sur Twitch, voilà, je vais enlever le chat pour plus d'immersion. Où est-ce que je pourrais mettre ma caméra, les mecs? Parce qu'il y a le compteur qui est là quand même, hein. C'est-y par... bah t'as pris la mauvaise route, Alex. Allez, salut. Ouais, je sais. Allez, à plus. Non, mais je t'attendais de toute façon. Ouais, 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 bah moi aussi, t'inquiète, je t'attends, Alex, hein. Je t'attends à 180, t'inquiète pas, hein. Oh là là, et là par contre, je vous dis les mecs, on n'est pas sur Euro Truck aujourd'hui. C'est-à-dire, quelle est la différence entre The Crew et Euro Truck? Sur The Crew, comment dire, je lance un regard de travers sur le chat à 2,50, je me fous en l'air, mon vieux. Mais je me fous en l'air en 2 secondes. Là en plus, je viens d'acheter ma petite Skyline GTR. Pas d'édition, celle-ci, je l'ai en. La GTR 34, je l'ai en édition Drift aussi. Mais oh là là, comment ça fait super plaisir de retourner sur The Crew. Moi personnellement, je viens de rentrer dans le cul du 4x4, tu vois. Voilà, dites-moi dans le chat sur Twitch ainsi que dans les commentaires YouTube, vous êtes team quoi les mecs? Est-ce que vous êtes plus team Forza ou team The Crew? Moi personnellement, je préfère The Crew. Voilà, je préfère l'arcade. Voilà, en jeu de voiture, j'aime bien les jeux d'arcade. Là personne, je préfère Forza, hein. Ah ok, on a Alex qui est team Forza. Parfait. Ah bah surtout quand on voit le 5 qui va sortir là. Ouais, il y a le 5 bien sûr. Après moi c'est vrai que bon, je suis plus team The Crew, tu vois, je suis plus jeu d'arcade. J'ai toujours kiffé genre les Need for Speed et tout. Ah il y a pas mal de Forza, hein. Ah il y a pas mal de Forza les mecs, hein. The Crew 2 il y a moto, avion, etc. Ouais mais j'aime pas trop les motos. Si les motos ça va, mais les avions j'aime pas trop dans The Crew. Avion, bateau, même moto, je préfère voiture. Ah ouais, d'accord, il y a vraiment pas mal de Forza les mecs dans le chat, hein. Donc vous, vous êtes plus team Forza que The Crew. Bon bah écoutez, pourquoi pas, hein. On a 28 km pour arriver à Las Vegas. Mais apparemment. Ah ouais, quand même, hein. Et bienvenue Alexis. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Installe-toi Alexis. Accroche ta ceinture Alexis, on est parti. Elle monte bien la Skyline les mecs, hein. Je vais vous la montrer après. Je vais vous la montrer un petit peu. Par contre, tu vois, je veux dire, quand c'est toi qui mets le point, la route est un petit peu... enfin dans le GPS, en bas à droite. Bienvenue Armleg. La route elle est jaune un peu, tu sais, enfin tu la vois pas bien dans le GPS. Alors que quand c'est moi qui mets le point, c'est bien bleu, tu vois. Ouais mais c'est un ouf. Oh l'enfoiré, il a pris sa bécane. Bah ouais, oh l'enfoiré, t'inquiète, y'a pas de soucis, tu veux prendre la bécane? Allez vas-y mon gars, c'est parti, let's go. Attends, je prends la sortie à droite. Sortie à droite.
Je coupe. Je prends un raccourci, vous inquiétez pas les mecs, je connais tous les raccourcis dans The Crew. Ouais, c'est vrai que tu t'es planté. Je me suis planté? Non, bah c'est pas grave, t'inquiète, ça rattrape. Ça rattrape, ça rattrape, 26 km. Salut Arthur, merci pour le follow, bienvenue à toi sur la chaîne. Admire ce pilotage de professionnel. MDR. Non, c'est ça va. Il y a du pilotage quand même. On va pas se le cacher. Mais ce qu'il y a, c'est que je le vois pas bien moi dans le GPS, la route que t'as mis, tu vois. C'est pour ça que je vois plein de route. Hein? Faut prendre la sortie, bah de toute façon il n'y a pas 36 000 routes. Faudrait que moi je mette un point. Et puis comme. Hein? Sinon je me suis. De toute façon t'as mis un point sur Las Vegas. Ouais. Ouais, alors attends. En plein centre quoi. Attends, bouge pas. Bah que ce soit en plein centre ou quoi, de toute façon on a 28 km donc. T'as mis un point sur Las Vegas. Bah tiens, hop, écoute, je vais mettre mon point sur le tien. Voilà, hop, je vais le mettre juste à côté. Je vais le mettre là. Voilà, tac. Voilà, nickel. Comme ça, moi, j'aurai une ligne bleue dans mon GPS, tu vois. Ah bah ouais. Ah bah voilà, tu vois, je la vois mieux la ligne du GPS là. Bah ouais les mecs, ça a rien à voir. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu le pseudo Jolotte quelque part, mais je sais pas où. Peut-être au Festival de Cannes, Energy Music Award. C'est vrai que j'ai joué beaucoup aux côtés de Leonardo DiCaprio. C'est possible que tu aies déjà entendu mon nom quelque part, mais en toute modestie, bien sûr, tiens. Possible. Ouais. Il m'avait appelé pour remplacer George Clooney dans son dernier rôle. Bon, bah, ça m'intéressait pas trop parce que c'est vrai que j'avais peur de faire de l'ombre à Brad Pitt dans son rôle secondaire. Donc ouais, il est possible que t'aies déjà entendu ce pseudo quelque part. A voir. Je ne sais guère. Je pourrais pas te dire. T'as eu 28 Oscars, non? Un peu plus. Un peu plus en toute modestie, encore une fois. Donc il est possible que... Il est possible que tu aies déjà entendu mon pseudo quelque part. C'est pas virage là. C'est quoi ça? Ah bah c'est un rocher. D'accord. Génial. Vous inquiétez pas les mecs. Là ça va rouler. Et je suis tout en manuel hein. Ah mais comment tu veux que je te rattrape Alex avec ta bécane qui roule à 300 km/h? Bah là je t'attends, hein. Je suis à 70. J'arrive, t'inquiète. Mais dis-moi ça, c'est moi. Je prends des raccourcis mon gars. Je prends les petits raccourcis les mecs. C'est une Skyline tout terrain MDR. Bah t'inquiète, bien sûr que c'est une Skyline tout terrain. Regardez, petit coup de nitro là. Oh là là mon gars, comment ça passe crème. Oh je kiffe franchement. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas lancé un The Crew les mecs. Et en vert, il est pas en VR The Crew? Je crois pas. Oh comment ce serait énorme en VR. Tu t'avais fait tester ETS en VR Alex? Ouais c'est... Ouais. Wow. C'est énorme hein. C'est énorme. Mais par contre c'est vrai que... Enfin moi pour ma part tu vois, qui ressent pas mal les effets du motion sickness, je peux pas y jouer trop longtemps à ETS en VR. Après encore une fois je vous le dis, ça dépend combien de temps je vais jouer au jeu, je peux m'y habituer. Tu vois. Ouais. Je regardais le chat. Pardonnez-moi. Oh là, il a fait un accident. Regardez le chat. Il veut tout en VR. Ah bah tout, le film, tout en VR. D'ailleurs les mecs, je vous avais dit la dernière fois quand on faisait du ETS, je vous avais dit que ça aurait été pas mal qu'on fasse une petite mission en VR en live. Le truc, c'est que j'y réfléchis et il y a pas grand intérêt à ce que je le fasse en live. Parce qu'en fait, je pourrais pas interagir avec vous avec le casque sur la tête. Surtout en jouant à ETS. C'est pas pareil, vous voyez, de jouer à un jeu en live comme The Walking Dead, Half-Life Alyx. Alors je prends ces deux exemples parce qu'on les a fait sur la chaîne. Mais c'est pas pareil de jouer à ça en VR en live. Puisque dans The Walking Dead, par exemple, je peux m'arrêter souvent pour lever le casque et voir vos commentaires et tout, interagir avec vous. Alors que je me vois mal avec mon Scania à 150 sur l'autoroute enlever mon casque VR pour voir ce que vous avez marqué. Tu vois? Voilà. C'est pas quelque chose où je pourrais interagir avec vous en live. Par contre, on va le faire, ce ETS en live. Ce ETS en VR, je veux dire, on va le faire.
mais pas en live. Je vais le faire en vidéo pour vous proposer une mission. Et en même temps, vous pourrez voir ma superbe conduite. Ou pas, je sais pas. Voilà. Parce que forcément, bah, j'aurai pas de chat à côté et tout. Hein. Mais là, tranquille. Hein. Là, même à 200 km/h dans les forêts, je peux lire le chat à l'aise, hein, mon gars. Hein. À quand le live horreur? F5, Melv. F5. Ça fait déjà quelques jours qu'on l'a fait. Ça fait un mois qu'on l'a fait. F5, Melv. Les mecs, dites-lui de faire F5. Dites-lui de rafraîchir le live. Faire le F4. Non, juste F5. Rafraîchis. Ouais, il est déjà fini le live horreur, Melv. On l'a déjà fait. Ouais. Horreur VR, c'est mieux. Alors, justement, tout à l'heure, on parlait avec le Phil là. Sur Discord. Apparemment, là, j'ai vu en plus. Il y a une nouvelle mage qui est sortie sur Phasmo. Phasmophobia. Avec une petite map sur le lac. Désolé, Alex. Hein. Ouais, t'inquiète, c'était que moi, je passe à côté. Hein. Oh l'enfoiré. Eh, t'aurais pas pris un raccourci, toi? Non. Ah non. Ah d'accord, t'es juste parti dans le fossé en fait. Eh, franchement, ouais. Regarde, même avec ma petite Skyline GTR 34, comment je te mets une pilule, Alex? T'es sûr de toi? Bah, de ouf, mon gars. Mais gros, prends une voiture. Prends une voiture qui est pareille que moi. Prends une voiture genre qui roule à 250. Eh, moi elle est d'origine. Elle est d'origine la Skyline. Hein. Y a pas quelque chose qui permet d'ajouter un chat Twitch dans le casque en VR dans le jeu? J'avais vu ça, je crois. Si. Yo, salut Zwell. Nous recevons Zwell, notre gars sûr dans le chat. Bienvenue à toi, Zwell. Effectivement, Alex, y a quelque chose qui permet d'avoir le chat en VR dans le jeu. Mais je sais pas comment on fait. Faudrait que je regarde un tuto. J'ai déjà regardé des tutos en plus. Oh, c'est quoi ta bagnole? J'ai déjà regardé des tutos, mais j'ai pas. Fais voir ta bagnole. Wow, petite Mercedes, c'est quoi? C'est une AMG? Ouais, je crois. Attends, je vais. Vas-y, avance. C'est une Mercedes AMG C63 S coupé. Eh, déchire, prends un avion, tu verras s'il te dépasse. J'aime pas trop les avions. J'aime pas trop. Salut, petit brocoli. Et elle va à 250. Hein. Allez, vas-y, mon gars, je t'attends. Vas-y, mon gars, quand tu veux, Alex. Attends, on va l'attendre un peu quand même. 230. La Skyline, elle va moins vite. Elle monte à 250 si je mets un coup de nitro. Ouais, ça bon, veut dire que toi, tu montes au moins à 280 avec la nitro. Sans doute, ouais. Ouais, sûrement. Oh, il y avait un secret à récupérer pas loin là. J'entends quand ça bip dans The Crew, ouais. Quand ça fait des bip. Eh, bienvenue à toi, Loaze. Ah, salut Loaze. Ah ouais, je l'ai aussi là. Bienvenue, merci pour le follow, ça fait plaisir. Installe-toi, admire ce pilotage un petit peu. Pas. Ce pilotage de professionnel. Regarde, il est derrière, il me gros. Oh l'enfoiré, il tartine avec sa Mercos. Hein. Regardez comment on va le rattraper, mon gars, t'inquiète. T'inquiète, j'arrive, Alex. J'arrive, t'inquiète pas, mon gars. Gardez comment qu'on va le rattraper direct. Et salut, Clartaga, ça va tranquille? Ça va. Moi, t'es en hein. Oh putain, ça commence à flotter en plus là. Non, il neige. Il neige, toi? Bah, moi, j'ai de la neige. Bah, non, moi, il flotte, je crois là. Ah, bah, moi, j'ai de la neige, tu vois. Ah, non, ouais, ça neige, t'as raison. Ça neige, bah là, on arrive dans les. Oh putain, là ça va commencer à glisser les mecs. Par contre moi au niveau de The Crew, franchement, je crois que j'avais plus kiffé le 1. Vraiment, j'avais plus kiffé le 1. J'ai jamais testé le 1 mon perso. Oh, il est énorme. Et la map elle était énorme. Et je crois même qu'on en avait déjà parlé les mecs sur la chaîne. On en avait déjà parlé et de toute façon ça s'est révélé être vrai et tout. Même le 1 était mieux fait graphiquement que le 2. Mieux fait. Et la map elle était super belle sur le 1 et tout. Enfin c'était vraiment énorme. Bon après ça jouait pas non plus à grand chose hein, niveau graphique hein. Niveau graphisme. Putain il tartine hein, Alex avec sa Mercos hein. Vous voulez que ça? T'inquiète. Je vais vous rattraper. T'inquiète mon gars. Un coup de nitro avec la Skyline, j'arrive. J'arrive derrière toi à 260 mon gars. Ah, c'était là. Allez hop, salut. Oh, c'était là les mecs.
Oh là, je l'ai loupé. Regarde, je suis pas repassé devant toi là. Oh merde. Oh. Eh les mecs, bien sûr, n'hésitez pas à sortir vos meilleurs clips. Hein. Meilleurs clips, renommés et tout. Ça, ça me ferait super plaisir. C'est vous qui faites les best-of sur la chaîne. Hein. Bienvenue, Tuc le Tuc. Salut à toi. Ah merde, j'ai pas embrayé. Je suis tout en manuel, les mecs. Hein. Embrayage et tout. La totale. Hein. Alex, t'as pas sorti ton G29 toi? Non, il est rangé là. Ouh. Ouais, mais. Merde. Un G29 sur l'arcade. Oh bah. Simu, ouais. Bah t'es malade toi, même G29 sur l'arcade. Ça tue, gros. C'est excellent. Moi, je préfère l'utiliser sur la vraie Simu. Hein. Ah bah après, que ce soit de la Simu, de l'arcade, franchement, c'est excellent. Hein. Vous êtes où sur la map là? On va à Las Vegas, tuc-tuc. Mais après, non, il faut qu'il tombe sur le serveur. Hein. S'il n'est pas sur le même serveur, il pourra pas les rejoindre. Bah, je sais pas. Bah, doit pas y avoir. Après, y a pas un million de serveurs non plus, je pense. Je sais pas. Bah, les sessions, elles sont que de 12, je crois, sur les serveurs. Ouais. De... Vous croyez que ça passe si je coupe là? Ça passe, hein? Ouais, ouais, ça passe, à l'aise. c'est bon, les mecs, ça passe. Voilà. Bah alors? Toujours derrière, hein? J'ai pris un véhicule. Putain, j'arrête ou quoi? Putain, laisse tomber, j'ai l'impression d'avoir une vraie Skyland dans les mains, c'est un truc de ouf. T'inquiète, j'arrive, mon gars. J'arrive. Regarde, t'es pas capable de donner un petit coup de frein, Alex? Sûr de toi. Regarde, j'ai mis un coup là. Juste un petit coup de frein. Bah, j'en ai mis un coup de frein, c'est pour avec le spawn là. Yep. Oh l'enfoiré, putain, ah, il m'a mis une pilule. Ah, oh, j'ai loupé la route, gros. J'ai loupé, ah, une... bah, ouais. J'ai loupé la route. Ah, j'ai loupé la route. J'étais trop focus sur l'idée à la rattraper, tu vois, et j'en ai loupé la route. Deux fois les mecs, laissez-moi vous montrer ma petite Skyline GTR quand même là. Voilà, déjà, ouais, t'as la vue intérieure et tout. Ça, bien sûr. Après, avec le volant, je préfère toujours jouer en vue capot, mais pff, oh là là. Bon, là. Bien sûr, j'ai pris quelques murs, hein, elle a quelques rayures et tout, il y a la neige, hein, mais voilà comment elle déchire, gros. Oh, elle est excellente. Alors après, tu vois, par contre, je peux pas jouer comme ça, vue volant, enfin, vue d'extérieur avec le volant, c'est compliqué, les mecs. C'est très compliqué. Ah oui, j'ai les vitesses aux palettes aussi, moi. Putain, parce que j'étais en train de mettre mon clignotant à la ETS, tu sais. Genre, tu mets ton clignotant à 2,50 dans un rond-point. C'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Tu vois. Ah, j'arrive pas à jouer comme ça, voilà. Comme ça, ouais. Vue capot, c'est ma vue préférée. Surtout avec le volant. Après, je joue avec une manette. Ouais, j'aime bien la vue intérieure volant aussi. Genre, celle-ci. Celle-ci, elle est pas mal. Mais ça fait deux volants, tu vois, un volant devant moi et un volant dans le jeu. On est arrivé là? Ouais. Oh. Ah ouais, on est arrivé, mon gars. Ah, oh, excellent. Ça te dit, on fait une petite... Y a quoi à faire là? Il y a plein de trucs. Ah mais d'ouf, il y a plein de trucs. Bienvenue, Kinalin. Kinain, bienvenue. Salut à toi. Kinaifne. Héros Lucas, salut Tartinox, salut, salut, oui. Salut. Bah tiens, il y a une... Ne fais pas comme sur Eurotruck, t'inquiète, Redouane, t'inquiète. Tiens, j'ai mis un point, on peut aller là-bas. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. C'est une course spéciale apparemment en plus. Ouais, on va faire une petite course spéciale avec Alex. Hein. Vas-y déjà mon gars, j'arrive derrière toi, t'inquiète. Ah, 4 photos à proximité. Merde, j'ai loupé la route. Génial. Encore? Ouais, parce que je suis tout le temps je focus sur toi en fait. Mais... Faut que j'arrête, faut que je focus sur le GPS. Et c'est la route surtout. Faites une course d'avion. Ah, franchement, j'aime pas les courses d'avion. Ah, je suis pas fan des avions aussi. Je suis pas fan. Même les motos, quoi, je préfère les voitures. Eh, vous savez, à l'époque, franchement, quand je faisais des courses en ligne sur The Crew, hein, moi, mon truc préféré, c'était les courses rallye. Courses rallye. Et voilà comment je gérais de ouf. Oh là là, je te tartinais des mecs en ligne. C'était énorme. C'était énorme. Je te tartinais du monde, hein. En mode rallye sur The Crew 1.
modestie bien sûr. Ouais super, j'ai passé un radar à 170 km/h. Ouais moi aussi, du c'est coup pas vous voyez plus GP. Ah j'ai passé à 300. T'es parti où Alex là? Ah bah on y est là. Déjà. Tiens il est là le point. Là il est là. Hop là. Nickel. C'est ici. C'est où? Là. Où est-ce qu'il est parti? Ah ouais. Ok d'accord. On va faire une petite course les mecs avec Alex. Il se la raconte comme pour Eleven alors que personne n'a jamais vu Jolati jouer. Non, hé hey. Un jour Luffy. C'est pas possible, je peux pas faire de live sur Eleven. Je peux pas. Parce que j'ai pas assez de place ici, machin. Pour... C'est pas possible, je peux pas faire de live. Par contre, peut-être je ferai une vidéo. Genre dans mon salon d'Eleven. Clac, 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 clac. Je vous montrerai les mecs comment je joue un peu au ping-pong. T'as reçu une invitation normalement? J'ai reçu une invitation. Attends, du coup, attends. Je la renvoie parce que du coup, bah, pour moi, ça l'a lancé tout seul sinon. Ouais. Alors attends, parce que. Ouais. Si tu renvoies l'invite, Alex. Attends, j'ai une cinématique. Salut Christopher, ça va tranquille? Ben ça va, nickel, et toi? Ah mais John. Ça m'a lancé la course. Je veux pas, moi, attends. Quitte-moi ça, Alex, quitte-moi ça, quitte-moi ça. Ah ouais. Ton camion est en réparation, vu ce qui se passe. Vu ce qui s'est passé avant-hier. Ah, il est parti au garage, là, le Camtar. Il est parti au garage. Ça va, il était pas à moi. Le Scania, il est pas à moi. Le Magnum, il va bien, toujours. Ça va, John, tranquille, hein? Ça va, hein? Vas-y, va trouver une Dilly, d'y aller à pied, MDR. Attends, du coup là. Ah, c'est stylé quand même, Las Vegas, les mecs, hein. Vérifie, t'es au moins, t'as reçu une invitation là. Ah, ouais. Ouais, j'ai reçu une invitation. Déployer. Ok. Accepté. C'est parti, les mecs. J'ai même pas vu, c'était quoi comme course? Course quoi? C'est une course spéciale, apparemment, c'est un trip. D'accord. C'est un strip. Ça veut dire ça, ouais, que c'est un strip apparemment. Ouais. On verra bien. Ok, les mecs. Là, ça va. Et je pense que t'as pas le droit de prendre une voiture, tu sais, qui dépasse trop par rapport aux autres, non? Tu dois prendre une place spéciale. Ce que tu veux. Bah, apparemment. Ouais, c'est trop facile, tu prends la moto qui va à 300, gros. Hein. Ah, ça fout un peu le boxon sur la route, John. Un peu. Pour le special numéro 5, prêt. L'US Speed Tour West. Las Vegas au Nevada. Putain, attends, t'es déjà parti, gros? Bah, moi, ouais. Ah, ouais, non, mais attends, mais j'étais pas prêt, moi. Ah, bah, moi, ça dit de 3-2 après, c'est dommage, hein. Ah, mais j'étais pas prêt de ouf, moi. Clairement. T'es pas capable de mettre un petit coup de frein, Alex. Si, je l'encourage, normal. Concentration les mecs, concentration. Merde. Oh là là, j'ai merdé. Il est pas loin Alex, hein, il est pas loin. Hein. Il est pas loin du tout. T'inquiète, je te rattrape mon gars. Oh la tour Eiffel, excellent. Mais c'est terrible. Ah ouais. Oui, en même temps on est à Las Vegas hein. Oh. J'ai loupé un tourné. Ah c'est bon ça, il s'est pété la gueule les mecs. Non, il s'est pété la gueule, t'es en quoi? T'es en bécane? Non, j'ai en voiture, bah, toujours la Mercedes. Toujours la Mercos, ouais. Ouais. Ah, je te rattraperai pas, gros, avec la Skyline. Hein. Même si elle est bien, tu vois, mais. Putain, mais c'est mon fil là, il se prend dans mon pédalier, les mecs, je vous jure. Toujours à trouver des excuses. Putain, Alex, on recommence là. Ah, bah non, on arrive pas à la fin, je suis à 80%. Putain. Non, je vous jure les mecs, vous allez dire ouais, mais je vous jure que mon fil s'est pris dans mon pédalier. Salut Blash, Blash95, ça va tranquille. Salut Antoine. Ça, ça va que personne d'autre voiture. Ça va qu'il y a personne d'autre voiture en circulation.
J'ai pas tout compris, Zouel. On pourrait dire heureusement qu'il n'y a pas les bottes. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, bah pas dans les courses. Ah pas dans les courses. Ah non, non, là, 2,50, tu fais un carnage. Hein. Oh là là, j'ai fait nappe. J'ai fait nappe. Cette course, elle compte pas, les mecs. Elle compte pas cette course. Elle compte pas du tout. Ouais, plus que 7 secondes pour arriver. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Ça fait combien de temps? Ah bah pas longtemps, mais je suis arrivé. Je suis arrivé quand même. Arrête de regarder ton téléphone. Ah bah toujours un fil dans le coin, MDR. Non mais toujours hein. Tu veux que je vienne pour vous montrer ce que c'est de bien conduire? Non, le fille, arrête. T'en feras rien. En plus, t'as pas le jeu, le fille. T'as pas le jeu. Donc, va pas l'acheter exprès pour venir avec nous, franchement. Voilà, ce serait dommage. Et puis, de toute façon, même si c'était le cas, t'en feras rien. T'en feras rien, le fille. Bon, allez, je mets une autre course. Voilà. Bah, check, 10 sur G2A. Il a raison. Il vaut 7 avec le code Jolat. Ah ouais, 10 balles. Ok, d'accord. Ah ouais, ok, d'accord. Bah, les mecs, bah, franchement, si vous voulez The Crew 2 sur G2A, si vous voulez soutenir la chaîne. 10 balles sur G2A, ça fait plaisir. Gagnark, bienvenue Gagnark. Bienvenue toujours les mecs, hein, si vous voulez soutenir. Direction G2A, c'est vraiment c'est ça qui soutient la chaîne, vraiment. Et je vous remercie, il est à 10 balles. 10 balles les mecs, 10 balles ou je remballe. Tout à 10 balles ou je remballe. Où est-ce qu'on peut aller là? Là on est à Las Vegas les mecs, oh là là. Et par contre, ils sont géniales les routes de Las Vegas. Je vais mettre un petit point Alex. J'aurais pas moi. Ouais mais c'est pas grave, tu peux voir. Tu sais où est-ce que je le mets au pire? Comme ça, tu le mets au même endroit. Cascade du Sud, Seattle, Bassin de Columbia. Les cascades basse altitude, c'est pas mal ça. Salut le Marocain 94. Bienvenue à toi. Bienvenue. Ouais, je mets un point là. On met un point là déjà. Tu vois où est-ce que je l'ai mis, Alex? Attends, je regardais sur la carte quand même, mais. Je l'ai mis là, regarde. Attends, je regarde. Hop. Les cascades. Oh, je le vois pas. Les cascades basse altitude. C'est une course. Ok, si t'es chaud. Il doit y avoir des beaux coins par là-bas, les mecs. Hein. Là-bas aussi, il y a peut-être des beaux coins là. Mais écoute, j'ai pas oh ton. Là, il y a des beaux coins aussi par là. Hein. Bon, écoute, je vais te suivre, Pierre. J'avais pas le point. Tu vas suivre? Ah, mais un point. Je vais te suivre. Et Madame Guignot qui nous dit salut, comment ça va? Bah, ça va tranquille, Madame Guignot. Ça va. Merci beaucoup, franchement, pour le soutien. Merci, Madame Guignot, ça fait super plaisir. Merci énormément. Allez, les gars, n'oubliez pas d'aller voir Jolat sur The Crew 1. C'est un régal, nous dit Christopher. Ça date, hein, les vidéos sur The Crew 1, Christopher. Ça date d'où? Ah, on a Ziflou qui s'abonne à la chaîne. Mais Ziflou, merci Ziflou. Merci énormément Ziflou. Ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Salut Discovery, j'avais vu ton petit message sur la dernière vidéo là, comme quoi que tu pouvais pas venir. Bah tu vois là tu peux venir du coup. Et donc à quel jour on joue? On est sur Uncharted 5. C'est il est en développement. Hein. Ils ont plus accès le jeu. Je suis pas Cost. Salut à toi, je suis bienvenue. Merci pour le follow. Et ils ont plus accès cette fois-ci le jeu sur la conduite des voitures. Salut Adit Bami, bienvenue, merci pour le follow. Donc voilà, Uncharted 6 sur PS7 que j'ai eu en avant-première par Sony. Salut, je suis, bienvenue. C'est pas The Forest là? Ouais, c'est ça Alex. The Forest, c'est ça, meilleur jeu. Ah ouais. C'est Stranded Deep, la nouvelle mise à jour. Non mais regarde-le ce cochon. Regardez-le ce cochon là. Non mais tu m'étonnes que je le rattrape pas. Il roule à 300 avec sa bécane. T'as de la chance, bah. Putain, du coup j'ai pris la mauvaise voie à cause de toi Alex. Je voulais te rentrer dedans. Oh l'enfoiré, c'est pas grave, regardez. On peut retourner à droite. Chiant. Oh mon gars, là on est bien là. Oh, on est à 19 km quand même hein. Wouh! Regardez, mais comment tu veux que je te rattrape, gros? Comment tu veux que je te rattrape? Ça va, je ralentis.
Je vais te donner de l'élan, moi, mon vieux. Je vais te donner de l'élan avec la Skyline, t'inquiète. Regarde, gros. Il tape une axelle. Je suis dans les choux. Attendez. Stop. Attends. Laisse-moi me garer. Il m'a chauffé. Comment tu fais pour choisir la voiture là? Comment tu fais dans les menus, tu vas dans voiture. Ouais, mais c'est véhicule. Où les menus. Options. Ça doit être dans options, non? Véhicule. Vas-y, attends, il m'a chauffé. Bouge pas. Qu'est-ce que j'ai dans mon garage là? Attends. Dis-toi que moi, vitesse max, ça fait 314 km/h. TTRS coupé. Combien? 314 km/h. Il a fait 243 chevaux. Vas-y, ça marche. Vas-y. Allez, on va bien s'éclater là, les mecs. Attends, bouge pas. Déjà, je vous présente ma petite bagnole là. Oh là là, comment qu'elle déglingue, franchement. Ça fait voir? J'arrive. Elle déglingue. C'est quoi ça? C'est pas. Attends, je veux dire une connerie. C'est pas Aston Martin ça, mais non? Ah bah si, c'est une Aston Martin, mon gars. Ouais, c'est celle-là, ouais. Aston Martin Vanquish. Oh là là, vas-y, sors ta bécane, Alex. Sors ta bécane. Ah mais elle est sortie, hein. Vas-y, sors ta bécane. Vas-y, t'inquiète. Il est chaud, ton moteur? Ouais. Attends, par contre, je crois que c'est pas une boîte 7. Non, ça va, c'est pas une boîte 7, c'est bon. Ah bah, mon gars. Ah bah, je peux te dire que les vitesses, là. Alors, mon gars, t'es à fond, Alex, là. Vas-y, t'inquiète, j'arrive, mon gars. Vas-y, j'attends. J'arrive. Ah, elle a pas encore la cacahuète, faut que je la prépare. Elle a pas la vitesse max qu'il faut. Eh, j'ai passé quand même le radar à 254 km/h, les mecs. Hein. 296, c'est ce que je suis. Putain. Ah, elle a pas la patate qu'il faut. Non, mon moteur il est pas chaud. Attends, je vais changer de bagnole après. Tiens. Oh. Tiens, je vais changer de bagnole après. T'inquiète. On va changer de bagnole, les mecs. Attends, laisse-moi voir. Attends, je me gare sur le côté, je mets les warnings et tout. Coup de frein à main, mon gars. Coup de frein à main. Laisse-moi voir, qu'est-ce que j'ai comme bagnole? Attends, on va voir les mecs. On va voir ce qu'on peut prendre pour rivaliser avec la bécane d'Alex. Mais je crois pas que j'ai ce qu'il faut. 265 km/h, 485 chevaux. Non. Après, j'hésite pas à les modifier aussi, les performances. Papa. Petit M5, édition drift, putain. Merde. Édition drift. Sinon, hésite pas à les modifier aussi. Ouais, t'inquiète. Tu sais, bon. T'as des points. Ouais, t'inquiète, Alex. Ça va aller. C'est bon, Alex, t'es prêt? Attends. C'est bon. Eh, hey, j'espère qu'il est chaud, le moteur de ta bécane. Hein. Oh, mais clairement. Quand tu veux. Hein. C'est bon? Quand tu veux? Bah, ouais. Hein. Allez, pousse-toi, Alex, s'il te plaît. J'ai de la route. Les mecs, regardez ça. Je suis déjà à 2,50. Oh, c'est une boîte 7 en plus, je suis sûr. Oh, c'est une boîte 7, mon gars. Allez, salut Alex. Eh, hey, on se rejoint là-bas, je te fais couler le café. Je te fais couler le café, gros, on se rejoint là-bas. Et bienvenue, le Nutella. Bienvenue. Ça fait plaisir. Et 3,50 quasiment. 3,50. Par contre, tu te manges un platane à cette vitesse, mon gars. Je peux te garantir que t'es pas clair. Allez, salut. T'es sûr de toi? Vas-y, t'inquiète. Vas-y. Regardez les mecs. Ah, faut que je m'enfuis. J'ai lancé aussi. T'as un camion. Ah, j'ai mangé le camion. Vas-y, t'inquiète, je te rattrape, Alex, t'inquiète. Attends, faut que je m'enfuis, tu sais, par rapport au T'inquiète, je te rattrape. Je te rattrape, mon gars. Regardez comment je le rattrape. J'arrive, Alex. Je suis juste derrière toi. J'arrive. Regarde, tu vas entendre un coup de vent passer à côté de toi. Écoute bien le coup de vent qui va passer à côté de toi. Eh, on se rejoint là-bas, je te fais le café, Alex. Tu l'as entendu, le coup de vent, ou quoi? Ouais. Oh putain.
putain, on a fait 4000 km sur la map, c'est ça? Ah non, 4000 mètres. Non, non, ouais. Je sais pas ce que j'ai attends, fait. J'ai fait un truc là, j'ai débloqué un trophée. 4000 km sur la map. Il y a moyen que je les ai fait les 4000 bornes en plus. J'ai tellement joué les mecs à The Crew. Arrête-toi, j'ai une véhicule. Hein ah, vas-y, regarde. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Alex? Alors on t'entend moins là. On t'entend moins d'un coup, Alex. Ça va? Tout va bien de ton ouais, côté? Ouais, ça va, ça va. T'inquiète, j'ai changé de véhicule. Oh, comment je l'ai fumé, mon gars. Attends, vas-y, mets-toi sur le côté, mets-toi sur le côté. Et encore, dis-toi, elle est pas préparée. Elle est pas préparée, gros. Attends, c'est quoi? Juste, c'est quoi comme bagnole? Je suis sûr que c'est même pas la plus puissante que j'ai. Ah, c'est une Ferrari, gros. C'est quoi? C'est Ferrari, Ferrari 458 spécial, mon gars. Ah, c'est la plus puissante que j'ai, les mecs. De toute façon, t'inquiète, je vais acheter une voiture spéciale et on va la préparer pour Alex. T'inquiète, c'est la plus puissante que j'ai. J'ai pas plus puissant, les mecs. Envole-le-toi. Attends, attends, t'es où? Je suis à gauche. Oh le bâtard. Attends, fais voir, laisse-moi voir ça. Fais voir. Oh l'enfoiré, il a pris une Formule 1. T'as pas le droit, gros, je l'ai pas la Formule 1. Ah, Discovery. Mais Discovery. Aïe. Merci beaucoup, Discovery, franchement. Merci énormément pour le soutien. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup, Discovery. Merci, merci. Et merci à vous tous, les mecs, pour le soutien. Eh, les mecs. Eh, hey, monte à combien, TF1? 340. Ouais. Allez, vas-y. Go, mon gars. Vas-y, c'est parti. Regarde, déjà, je le laisse... Ouais, mais attends, t'as peut-être plus de cacahuètes que moi, mais peut-être moins de pointe, hein. Regarde, 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 gros. 340? Ouais, ouais, là, j'ai déjà 300. Vas-y, t'inquiète. Non, par contre, allez, à vous, là. Je crois qu'on a mangé un platane tous les deux, gros. Vas-y, attends, attends, je t'attends. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Allez, je t'attends plus, mon gars. Attention, hé, hey, Alex, c'est tout droit, là, la route? Bah, je sais pas, c'est comme le GPS, hein. Ouais, ouais, bah, je sais pas. Ah non, on est arrivé, on est arrivé. Stop, 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 on est arrivé, c'était là. Viens, on va voir on va voir ce qui se passe. Attends, c'est un truc d'avion, hein, le point que t'as mis, hein. Hein? C'est un truc d'avion, hein. Non, non, c'est pas un truc d'avion, c'est... Des cascades basse altitude. Ouais, c'est une cascade, j'aime bien, c'est joli. Putain, y'a un avion dans les airs, là-bas, là. Voilà, ouais, mais justement, juste... là, c'est pour les avions. C'était juste histoire de voir... Non, c'est joli. Ok, d'accord. Ok, c'est sympa. C'est super sympa, c'est très joli. Très joli dans le coin. Écoute, on va mettre un autre point. Vas-y, je te On va mettre un autre point. C'est lequel ton volant, Jolat? C'est le G29. Vous l'avez dans la description du live, les mecs. Hein. Ça, on me l'a demandé tellement de fois que du coup, je l'ai mis dans la description du live. Voilà. Alors. Ah. Aïe 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 aïe. Ah ouais ouais mon gars. Vas-y, on va mettre un petit on va mettre un petit point par là. On va mettre un petit point par là. Ouais, pas voyager, non non. Clairement pas, on va mettre un point. Établir une destination. Allez vas-y mon gars, vas-y mon gars. On va aller là-bas. À cette vitesse tu te prends un mur, tu vas rejoindre les mamies volantes. En fait tu rejoins les mamies volantes direct, mon gars. Par contre attends Alex. Comment ouais. Ça se fait que je suis à mon GPS il est en vol d'oiseau là? Ah bah je sais pas moi. Ouais c'est pas normal. T'es chaud? Bienvenue Snake. Putain mon gars, elle burn. Elle burn jusqu'en deux quoi. Ah la Ferrari mon gars. Elle envoie du lourd hein. Par contre la 7ème je suis obligé de la passer à la palette. Moi j'en ai 8 en vitesse hein. Ah t'en as 8? Oh le cochon. Ouais, ouais j'en ai 7 moi. Mais moi je suis tout en manuel gros, en brillage et tout hein. C'est à dire si j'embraye mal ça passe pas hein. Bah moi juste séquentiel du coup. Bon alors. Alors? Et bah alors j'arrive mon vieux. Et bah alors je suis là. Et bah alors Alex. Et bah alors la F1 elle est où? Elle est où la F1 gros? Où est-ce qu'elle est la F1? Oh! Je regarde! Bah, elle est où la Ferrari alors?
Gros, j'étais en train de regarder derrière. Bah oh, putain. T'inquiète, je vais la préparer. Mon gars. C'est ce que t'as de plus puissant, ça, la F1? Non, attends, je vais regarder ce que j'ai. Et encore, c'est rien, les mecs. Hein. C'est rien, les mecs. Hein. Parce que je peux vous dire que. Eh, moi, j'ai combien? J'ai de l'argent là sur The Crew. Hein. Bon, là, j'ai acheté la RS34 quand même tout à l'heure. J'ai acheté deux RS34, une édition Drift, une édition normale. Mais j'avais plus d'un million tout à l'heure. J'avais plus d'un million, gros. Ah bah, j'en ai fait des défis dans The Crew. Hein. Je suis sûr que je pourrais acheter une Lamborghini. Attends, laisse-moi m'occuper de quelque chose. Regarde, Alex, il est en train de changer le moteur de sa bagnole, je suis sûr. L'enfoiré. Ils font les malins, les deux, là. Mais t'inquiète, la fille. T'inquiète. Alors, tu vas pas rivaliser quand tu vas venir. Eh, le vrai kiwi, bienvenue sur la chaîne. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Ah, mais attends, pendant que je suis en train de changer le véhicule, il l'a tracé, lui. Hein? Ah bah moi mais gros, mais moi j'ai pas trop le temps, moi. J'attends, laisse-moi aller faire un tour au QG. Vas-y, je vais aller au QG, t'inquiète. T'inquiète. Laisse-moi aller voir. Je vais juste aller voir dans le catalogue. Vas-y. Attends, tu sais quoi? On va taper directement dans Lamborghini, les mecs. Mais moi j'ai plus de thune, quoi. J'ai plus de thune, quoi. J'étais un véhicule. Oh gros. Combien elle coûte celle-là? J'ai pas assez. Putain, regardez, j'ai 795 000, elle coûte 843 000, j'ai pas assez. Papa, celle-là, mon gars. Je peux te garantir, Alex, que si jamais j'avais la thune, t'aurais été dans le mal, mon gars. Y'a que ça en Peugeot? Mais non, gros, y'a quand même pas que ça. Attends, y'a quoi, Suzuki, Vector, Yamaha? Ah bah voilà, je vais sortir ça, je pense. Porsche. Que tu vas faire moi le malin. Nissan aussi, Nissan, y a des bêtes dans Nissan. T'as des bêtes quand même. Hein. Tu prends celle-là par exemple, la 370Z. Ouais. Bah, une fois que t'as goûté à la Ferrari quand même. 560 chevaux, mon cochon. Hein. 1 019 000. Ah, là, je les sais pas. 560 chevaux, à mon avis, gros. T'entends un coup de vent passer à côté de ta F1, ça doit être quelque chose. Je pense que tu dois entendre un coup de vent passer à côté de ta F1. Si je veux pense. Je peux sortir mon véhicule qui monte jusqu'à 514. J'ai rien de préparé pour monter à 514. Ah, laisse-moi préparer la Ferrari, gros. L'attends. Oh, gros. Là par contre, là on commence à taper 700 chevaux. Ouais, là ça commence à causer. Là. Allez, reviens dans le jeu là. Attends, laisse-moi voir un peu là. Ouais. Et encore, elles sont pas préparées, ça c'est de l'origine. Hein. Salut Mighty, Mighty Miwoob, salut, bienvenue. Là les mecs, c'est pas préparé. Hein. C'est de l'origine tout ça. Pff, oh là là. Oh, comment qu'elle déchire en interception unit comme ça là. 1 300 000. 1 300 000, gros. Comment je fais pour. Je veux préparer ma Ferrari, moi. J'ai envie de préparer ma Ferrari. Ah, quand même, 743 chevaux la Ferrari. Je crois que je suis à donf. Bah là, j'ai mon véhicule, ouais, il fait 2738 chevaux. Je suis à donf, gros, Allez, elle est préparée, elle est en full stock, gros. Elle est en full stock, je suis préparé à fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, t'as pris une drague. Gros. T'as pas le droit. Ouais, mais tu peux pas tourner avec ça. Tu vas mal tourner. C'est pour ça que j'ai dit qu'une ligne droite. Gros, t'as pris un dragster, t'as pas le droit. Tu me dis quand t'es prêt. Vas-y, quand tu veux, gros. Ouais, bah ouais, gros. Non, mais tu m'étonnes, mais tu pars en roue libre avec ça. C'est vraiment l'enfoiré. T'as pas le droit de faire ça, gros. Ça devrait être interdit. Ouais, mais tu peux pas tourner avec ça. Tu peux pas tourner. Regarde, il s'est planté, il s'est pris un platane. Bah ouais, gros, bah en ligne droite, forcément. Gros, tu prends une dragster. Ouais, bah ouais. Forcément. Luffy arrive, les mecs. Luffy arrive. On va le rajouter sur Ubisoft. Ça te dit qu'on aille se prendre un petit peu des vacances, genre sous les cocotiers et tout?
Allez, moi je te suis, moi. Ouais, vas-y. Ah, là c'est nickel, ça me met pas à vol d'oiseau, tu vois. C'est parfait. Ça dit une petite destination sous les cocotiers? Oh, c'est à 8 km, c'est pas loin. Hein. Je te suis, moi. Mon cochon, c'est quoi que t'as là? C'est une, attends, je vais te dire ça, parce que j'ai pas les idées. Une Ferrari FXXK. Ferrari FX? À Discovery! C'est cadeau, mon cochon, ça fait plaisir de faire plaisir, ben. Mais merci. Merci énormément, Discovery. Merci beaucoup, franchement. Ça fait super plaisir. Et merci pour le soutien, les mecs. Merci vraiment à tous. À tous, à toutes, merci. Merci énormément. À droite, Alex. Hein. À droite, hein. Ah ouais. Ça fait super plaisir, Discovery. Merci beaucoup. Après, c'est vous à gauche, à droite? Gauche, gauche, gauche. Et bienvenue, William Dumas. Oh là là, par contre, gros, faut anticiper le freinage avec la Ferrari. Forcément, t'arrives à 2,50 dans le virage, ça calme. Ça calme tout de suite. Hein. Ah bah ouais, tout droit après ou à droite? Tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Oh là là, mon gars. Oh putain, il y a un chevreuil qui vient de traverser devant moi, mon vieux. C'est des ouf. Putain, faut prévenir quand c'est comme ça. Comment ils s'appelaient, les mecs? L'ancêtre de The Crew. Enfin, l'ancêtre de The Crew. Et franchement, même aujourd'hui, tu reprends le jeu, il est énorme. Oh putain, un ours, gros. Je viens de le taper. Comment il s'appelait, l'ancêtre de The Crew? Comment il s'appelait? Il était tellement bien, ce jeu, gros. Je l'ai tellement torché. Les mecs, s'il vous plaît, vous allez me le dire dans le chat. Dans le chat, dans les commentaires YouTube. Comment il s'appelait, ce jeu? Non, bah pas du tout. Ah, bah pas du tout. Pierre Zébul, Grand Turismo, MDR. Ça a rien à voir. Ah non. Avant The Crew, c'était The Crew. Non. Putain, les mecs, y'a personne qui le connaît, ce jeu, bordel. Il ressemblait grave à The Crew. C'est une copie de The Crew. Mais c'était avant. Forza, pas du tout, Icon. Pas du tout. Forza et The Crew. Pas du tout. Putain, je l'ai sur le bout de la langue, ce jeu, hein. Need for Speed, absolument pas, les mecs. Absolument pas. C'est pas les mêmes développeurs. Si quelqu'un me sort le jeu, je vais dire bingo. Bingo, c'était ça. Il suffit juste que je vois le nom du jeu. Merci, Chongyun14. Merci. Il suffit juste que je vois le nom du jeu, les mecs. Ça ressemblait The GTA. Non, mais pas du tout, les mecs. Ça ressemblait grave à The Crew. Pareil. Grand Turismo, mais non, les mecs. Non, non, pas Grand Turismo. Pas du tout, Discovery. Midnight Club, non, 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 c'est pas Midnight Club. Burnout Paradise, pas du tout. Pas du tout, les mecs. Pas du tout. Je vous dis, c'est une copie de The Crew. J'ai pas arrêté d'y jouer à ce jeu, je l'ai torché, mais quelque chose de bien. Putain, les mecs, y'a personne qui va me le sortir dans le chat. Personne. Ouais, bah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me sortir ça dans les commentaires sur YouTube, les mecs? Je t'ai découvert sur Scrap Mécanique, oui, mais c'est pas ça du tout. Je crois, non. Gas Simulator 2, non. Putain, les mecs, va falloir que j'aille regarder sur internet. Icon. Bien joué, Icon. Bien joué, gros, bien joué. Test Drive. Test Drive Unlimited, les mecs. Comment qu'il était bien, tu passais ton permis et tout. C'était The Crew. C'est The Crew. The Crew, les mecs. Et d'ailleurs, Test Drive Unlimited, c'est Ubisoft aussi, je crois. Je sais pas si c'est Ubisoft. Mais si c'est pas Ubisoft, ils ont carrément. The Crew, il a été totalement pompé sur Test Drive Unlimited. Farming Simulator, oui, bien joué. Oui. C'est Test Drive Unlimited, les mecs. Pas comment il était trop bien, ce jeu. C'est The Crew. C'était un The Crew. Voilà. On a défini une destination. On est un peu en vacances ici, Alex. C'est un peu les vacances. Bah, ouais, c'est les cocotiers, la mer, les palmiers, tout ça. Allez, regarde, il y a un chevreuil, je vais taper dedans là-bas. Par contre, tu les fais sauter, les chevreuils, quand tu tapes dedans. C'est un peu mal fait. Bon, c'est pas un jeu pour tuer des bêtes non plus, tu vois ce que je veux dire, mais voilà. Ouais, salut. Yo, salut, Benzouille. Ouais, je suis à la plage, moi, Alex. Ouais, j'ai des soucis. Regarde sur l'eau. T'es sur l'eau, toi? Bah, ouais. Attends, bouge pas, j'arrive. T'es où? Je suis là. Ah, et dégagé là. T'es où, toi? Bah, sur la route, regarde. Bah, je crois que t'étais sur l'eau. Bah, ouais. Ah, bah, non, t'es là, toi. Ah, ouais, moi j'étais vraiment sur l'eau. Ah, oui, t'es là, ok, d'accord. Attends, attends, on va définir une petite destination. Oh, l'enfoiré, il a pris une bécane. On va définir une petite destination, les mecs. Luffy, tu me dis quand t'es là. Hein. Tu nous dis quand t'es là, Luffy, hein. On va se définir une nouvelle destination. Là, avec Alex, on a un très gros projet. Très gros projet de destination, les mecs. Là, ça.
ça va envoyer là. Mais on va, ouais, on va aller loin. Faut qu'on fasse. Le projet Alex, ouais, ce serait de traverser la map. Ah ouais, c'est déter. C'est beau, hein. C'est beau. Il y en a pour longtemps, gros. Là, il y en a. Je vous dis, la map de The Crew, elle est énorme. Il y en a au moins pour une heure. 4 heures. Non, non, plus. Non, gros, pas 4 heures. Si, si, il y en a qui l'ont fait. Il y en a un qui l'a déjà fait et c'est plus d'une heure. Ouais, mais pas 4 heures. Pas 4 heures. 2-3 heures, je crois.